Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où cette semaine on sera ici sur notre terrain secondaire dans le Dauphiné. Je te laisse regarder ça, tu verras, on fait un bras zéro, on en fait même plusieurs, on essaye de faire des gaufres. C'est un total échec. Enfin bon, bref, je te laisse regarder tout ça et je te retrouve après à la fin de cette vidéo. À tout à l'heure. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, on est parti pour notre terrain secondaire dans le Dauphiné. Bien, alors comme je te l'ai dit, là, on part pour notre terrain secondaire. On part pas très loin, on part pas à 5000 km, mais enfin, on a pour une heure de route. Mais avant ça, on va aller faire les ravitaillements, on va aller remplir le frigo à Intermarché. Voilà, première étape, si on peut dire, c'est la grande surface. Car il y a bon nombre de produits qu'on ne trouve pas dans les petits commerces de proximité. Ça y est, bah écoute, les courses sont faites. Comme d'habitude, j'en ai pour un petit billet. Putain, puis à chaque fois que je vais à Noisin, c'est un diable ça. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais à Noisin, il y a du vent, il pleut, il fait mauvais temps. C'est vraiment incroyable. Voilà, petit arrêt au stand pour la pause de midi. Alors tu vois, ce qu'on va faire, c'est se préparer une petite salade avec le hachis parmentier que j'ai trouvé au rayon anti-gâchis de Intermarché. C'est vrai que d'habitude, je n'achète pas ces plats archi transformés, mais là, tu vois, c'est l'occasion. Petite salade, petite bière et petit hachis parmentier réchauffé. Santé et bon appétit. Oui, alors je sais, hein, c'est pas bien de regarder son téléphone pendant qu'on mange, mais tu sais, en fait, je surveillais la messagerie pour voir si mon ami me répondait. Tu sais que j'avais sollicité. Bon, après, je te cache pas que je regardais aussi des bêtises sur Internet. Hein. Voilà, ben, repas qui se termine avec un petit yaourt au chocolat. Pour ce qui est de la table, tu sais, t'as vu, j'ai pris l'habitude de la nettoyer les couverts avec une lingette. Et là, l'astuce, c'est de mettre le dessous de plat, en fait, entre la table, entre les deux moitiés de table, pour éviter le bruit quand je roule. Après, ce petit repas simple. Je vais faire une petite marche de digestion et puis surtout je vais me débarrasser des déchets, tu vois. Parce que comme je te l'ai souvent dit, tu vois, en camping-car, maintenant en France, que les poubelles sont souvent fermées à clé, c'est difficile de se débarrasser des déchets, donc tu vois, je le fais au fur et à mesure. Là, j'avais repéré qu'il y avait une poubelle en fait sur le parking, donc hop, comme ça, je me suis débarrassé de mes déchets, je les accumulerai pas dans le camping-car, tu comprends. Là, tu vois, je suis garé ici, tu vois, en face de la mairie, là, sur ce parking. Bon, rien de spectaculaire. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas y rester, évidemment. On va sur notre terrain secondaire. Là, c'était provisoirement le temps de la pause de midi. Et puis, maintenant, tu vois, je vais y faire la sieste. Alors je sais pas, j'ai aussi envoyé un message à une copine là, je sais pas si elle me répond, j'irai peut-être la voir tout à l'heure, donc à ce moment là je te reprendrai en vidéo si elle est d'accord, et puis bah sinon je monterai directement sur notre terrain secondaire. Allez, tout à l'heure. Voilà, il est environ 15h30, je viens de me réveiller de la sieste. Du coup, l'ami que j'avais sollicité n'a pas répondu, alors je sais pas, elle n'était peut-être pas chez elle, on verra la prochaine fois. Je lui ai laissé un mot. Nous, bah regarde, on avait trouvé un endroit qui était pas trop mal hein, pour la pause de midi, tu vois. On était garé en face d'un mur, là. Comme ça, on n'avait pas de vis-à-vis. Parce que tu sais, j'avais pas tiré les rideaux, hein, j'avais profité au maximum de laisser rentrer le soleil pour chauffer le camping-car. Bon, bah écoute,
C'est parti, on retourne dans le camping-car et on va monter à nos enceintes sur notre terrain secondaire. Alors là, je passe pas le film en marche arrière, mais tu vois, je suis obligé de rentrer sur le terrain en marche arrière, sinon ça rentre pas en fait. Je suis obligé de faire 18 créneaux, donc comme ça, c'est plus facile. J'allais te dire, sitôt arrivé, sitôt le feu allumé, mais non, quand même pas. J'ai fait le tour du propriétaire, je suis allé au bois là-haut, j'ai mis le quad en route donc pour recharger la batterie. En fait, bon, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Mais tu vois, le soir, c'est vrai que j'aime bien faire un feu. Alors, l'été, c'est pour les moustiques, pour les éloigner. Et puis l'hiver, c'est pour avoir un peu chaud, tu vois. Pendant que je bois ma petite bière, j'aime bien. Bon, pour pas changer, hein. Santé. Santé, bonheur. Et eh ben Nouga, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Hein? Tu as la chasse ce matin? Eh bien, et moi, pendant que Nouga part à la chasse aux oiseaux ou aux souris, j'en sais rien, moi je vais préparer le brasero. Alors, tu vois, pour le feu, pour démarrer le feu, je recycle tous les emballages carton, tu vois. Ça m'évite de les jeter à la déchetterie. Et ça me permet d'allumer le feu sans que cela fume pendant une demi-heure, tu comprends. Voilà, tous les cartons, les emballages d'Amazon, tout ça. Et alors après, tu m'en voudras pas, hein, mais pour l'allumage, j'opte pour le gaz russe. C'est une façon assez simple de mettre le feu sans que ça fume et sans être obligé de mettre des allumettes et du petit bois pour que ça prenne. C'est bon. Ras-le-bol. Et voilà comment on allume un feu, n'en déplaise aux écolos, hein, sinon tu peux toujours sortir ta pierre à feu, tes silex, je sais pas quoi, tes allumettes. Moi je fais comme ça, hein. Je me casse pas la tête. Encore un peu trop épais, non? Ça c'est épaissi. Ouais. Non? Je dirais que oui. Sinon ce que je vais faire, je vais mettre un peu de bière, non? Elle va aller courir, Anne. Ouais. Bon, échec des gaufres, hein. Mon père, il était trop heureux, il a dit comme ça, Fabrice, il saura faire la prochaine fois que je viens. Oui, bien sûr. Au vu de la météo d'aujourd'hui,
petit montage vidéo pour faire passer le temps et le mauvais temps. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. T'as vu, on a fait court, on a tenu le timing, hein, cette fois-ci. Je t'avais dit en Espagne que j'essayais de faire des vidéos de moins de 15 minutes, car j'avais constaté qu'au bout de quelques minutes, j'avais perdu la quasi-totalité de mes visiteurs, donc je ne vais pas m'infliger plus que ça de la déception, j'en ai déjà assez. Moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. On sera encore ici dans le Dauphiné la prochaine fois. Je te spoil pas plus, tu verras bien la prochaine fois ce qu'on fera ici dans le Dauphiné. Moi, je te dis à tout bientôt. Salut. Poupoule rousse. Ça va, rousse? Ça va, rousse? Ça va? Coucou. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, un peu de sport, ça va te faire du bien.